Salut à tous, alors ce soir on se retrouve dans la loge maquillage avec notre invité du jour qui est le coach du DFCO, donc Olivier Dalloglio. Olivier, bonsoir, alors en forme, prêt pour l'émission Ah, moi ouais, oui, je suis, en, je suis en forme, il n'y a pas de problème, je suis prêt, enfin presque. <laughs> ah ouais, quelques retouches maquillage encore à faire. Euh... Bon, on va revenir sur les questions un petit peu qui fâchent. Après la défaite là, de, de ce week-end, ah bah oui, on commence direct. Hein. Après la défaite de ce week-end, euh, enfin là, on est un petit peu dans une mauvaise passe. Comment ça se passe au niveau, niveau moral on, pouvait, on peut dire un petit peu qu'on peut s'y attendre parce qu'on on vient de monter, donc c'est des, des choses auxquelles on peut s'attendre. Oui, bon, on savait que la, la saison elle serait elle serait difficile, ça, il n'y a, a pas de souci. Après, euh, on a eu une, une bonne passe aussi, il euh, y, y a quelques temps. Là, bon, on reste sur euh, cette défaite là contre Marseille. Une équipe de Marseille est quand même solide, euh, mais bon, on a pas mal de regrets effectivement parce que bon, on pense qu'on aurait pu au moins tirer le match nul. Il y a eu de, de bonnes choses. Ce qui est un peu regrettable aujourd'hui, c'est de ne pas avoir les résultats. On espère qu'ils vont venir là, puis, ah, puis ce week-end peut-être. Euh, euh, oui, oui, on y travaille Déjà pour ce week-end, même si on a, on a un gros client avec avec Nice, hein, puis qui est promis au, au championnat. Mais bon, c'est un challenge quand même assez intéressant à relever. Alors là, l'émission, elle est un peu particulière. C'est les internautes qui vont un peu euh, vous questionner, vous creuser, vous <laughs> poser toutes les questions. Euh, J'imagine qu'au quotidien, vous avez souvent des supporters qui, qui viennent vous parler. Euh, comment ça se passe la relation justement que vous avez avec les supporters bah, habituellement, avec les supporters, ça se passe plutôt très bien. Voilà, parce que bon, c'est vrai que jusqu'à, on a quand même des, des bons résultats. On est un petit club. On progresse chaque année, donc on a de plus en plus aussi de supporters. Mais ça se passe habituellement assez bien. Ouais, il, y a, il y a parfois aussi des, des, des grincheux, mais il en faut aussi. Ça fait, ça fait, ça fait avancer aussi l'adversité. Mais en règle générale, on a des bons gars qui nous suivent. Ah ben ça y est, Théo me fait signe qu'on va aller en plateau. Ça va être le début de l'émission. Allez, on y va Je vous emmène Allez et puis alors vous vous êtes déjà 53 je vois, je vois pas encore de commentaires, en tout cas n'oubliez pas que le coach il sera là pendant 20 minutes en direct pour répondre à toutes vos questions donc n'oubliez pas surtout de, de mettre des commentaires Donc voilà surtout n'hésitez pas le coach il arrive il est dans le plateau dans quelques petites secondes et puis il sera à vous pendant 20 minutes pour poser toutes vos questions Moi je passe derrière l'ordinateur je vous dis à tout à l'heure Bonne émission 20h, bonsoir à tous, merci d'être en direct avec nous sur la page Facebook de France 3 Bourgogne, comme chaque mercredi, votre rendez-vous DFCO, avec un invité ce soir, il est de taille, voilà, il arrive, il s'installe, c'est l'entraîneur Olivier Dalloglio. Bonsoir Olivier. Bonsoir. À vos côtés aussi euh, ce soir, Benjamin Henry du Bien Public. Salut Benjamin. Bonsoir Théo, bonsoir tout le monde. Et puis, pour relayer les messages, vos messages, parce que c'est le principe de DFCO et débat, vous donner la parole, vous permettre de poser vos questions. Et eh bien, Elsa a besoin, ce soir, Elsa, est-ce qu'il y a déjà des messages Oui, il y a des Ocerrois, on les salue, des supporters Ocerrois. Et puis, déjà, les questions sur le profil, Jimmy demande les profils recherchés pour le mercato, Olivier. Voilà, oh ouais, c'est vrai qu'on attaque fort. <laughs> on attaque fort, <laughs> on attaque fort dans dans avec le, avec, euh, le mercato. Ben, déjà, le mercato, il a commencé le 1er janvier. Ben, c'est terminé le, le 31. Et euh, j'allais dire... Souvent, les transactions se font plutôt à la fin du mois plutôt qu'au qu début. Euh, ce qui concerne les profils, bah déjà, il euh, faut faire un constat, c'est qu'on on va, on va perdre des joueurs parce qu'il y a des joueurs qui vont à la canne. Euh, Mediabed, euh, Shafik, euh, ça, ça, c'est pratiquement sûr. Abdelhamid peut-être aussi, puisqu'il a reçu une préconvocation. Donc, c'est des garçons qui vont, qui vont nous manquer. Euh, en même temps, on a aussi... Euh, des joueurs euh, qui, peuvent être, qui peuvent être aussi sollicités par d'autres clubs. Aujourd'hui, on, euh, on reste à l'affût euh, de, de l'actualité, de ce qui se passe. Et puis, euh, on n'a pas pris, bien sûr, de, de décision pour le, pour le moment. C'est -ce trop tôt. On a beaucoup parlé des attaquants. C'est vrai qu'ils sont peu nombreux dans l'effectif. Oui. Euh, Est-ce que c'est un, un des secteurs euh, que vous avez ciblé Oui, éventuellement, euh, les attaquants. Maintenant, on sait qu'on ne pourra pas faire euh, un attaquant, un, attaque, un milieu… Euh, et on ne pourra pas tout faire voilà donc euh, on regarde ce qui, ce qui se fait dans, dans les attaquants maintenant euh, euh, c'est un secteur quand même euh, qui est quand même a, a, assez bon parce qu'on marque des buts voilà. en début de saison on avait peur de ne pas pouvoir marquer de buts aujourd'hui on, on voit qu'on a des occasions et on peut marquer des buts euh, là on va perdre on va perdre un milieu de terrain défensif plus un défenseur donc, ce sera certainement peut-être la priorité, c'est le secteur défensif. Quoi. Il y a beaucoup d'internautes, déjà une centaine de personnes qui nous regardent, on les remercie. Euh, question de Marie-Thérèse, est-ce que vous reconnaissez certaines erreurs dans vos compositions Dans les compositions, il bah, y a toujours des erreurs. Du moment qu'on euh, qu ne gagne pas le match, pour moi, je considère qu'il qu y a des erreurs. Maintenant, c'est toujours euh, intéressant de, de faire surtout l'analyse après de, du match et de voir comment on peut rectifier l'affaire des erreurs, tout le monde en fait moi le premier et ça ne me gêne pas de le dire Benjamin, juste pour en finir avec le Mercato il y a des besoins dans cette équipe parce que on sait que tous les clubs ne feront pas le même Mercato il y a des finances qui vont rentrer en ligne de compte bien évidemment mais est-ce que selon toi Dijon doit se renforcer Si cette équipe n'avait pas besoin de se renforcer elle serait première de Ligue 1 euh, tout le monde dirait c'est parfait, on continuerait. Hein. Mmh. Je pense ouais, qu'Olivier euh, ouais. aura encore plus les sourires que soir. Non, mais effectivement, il y a forcément des besoins, euh, comme le soulignait Olivier. Donc il va y avoir le départ, euh, le départ a priori de deux joueurs, voire mmh. trois à la canne. Euh, je pense notamment à Mediabed euh, qui est dans un rôle assez particulier depuis qu'il est arrivé, euh, qui est un petit peu le métronome du jeu de jeûner, notamment l'absence de Florent Balmont. C'est quelque chose qui va forcément peser pendant la période de la Coupe d'Afrique. Et puis la Cannes, c'est euh, quand même plusieurs semaines, ça, fait, ça couvre quatre journées de Ligue 1. Hein, oui, tout à fait. C'est un, un ça. problème. Ouais. Après, on peut souhaiter au DFCO d'avoir le nez aussi creux que sur la dernière journée du mercato estival. Euh, si, ouais. si les Dijonais arrivent à avoir le, le même rendement sur. Euh, sur les recrues. Donc, on va pas revenir sur tout le mercato, puisque pour le coup, oui. c'est une période qui a duré trois mois. Oui. Mais c'est vrai que sur la dernière journée, ils ont réussi à faire Mehdi Abed et Adam Lang, qui oui. pour le coup sont quand même deux satisfactions euh, notables. Enfin, je ne pense pas me tromper oui, en oui, disant fait, ça. On ouais, atteste leur titularisation ouais. Euh, ouais. assez régulière. Ouais. Et Olivier, du coup, il faudra tenir sans Mehdi Abed pendant ces quatre journées de championnat en début d'année Oui, oui. Bon, nous est, est arrivé de jouer sans Mehdi aussi. Mais euh, c'est vrai que quatre matchs dans, dans cette période-là, c'est important. En même temps, le mercato est mercato d'hiver. Déjà, moi, je suis, je suis contre ce, ce, ce mercato d'hiver parce que ça, ça perturbe au niveau sportif, ça c'est sûr. Ça perturbe les joueurs, ça, ça perturbe aussi euh, tout l'ensemble du club. C'est assez compliqué. Euh, après, euh, quand on recrute un joueur, euh, on ne va pas recruter un joueur pour quatre matchs non plus. Hein. Donc euh, on ne peut pas recruter un joueur comme ça à la va-vite. Donc c'est des choses qui sont mûrement réfléchies et, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie hein, mmh. aussi. On ne peut pas tout faire. Des questions d'internautes sur la présence ou l'absence de Jérémy Bella, Quentin Bernard oui, alors s'il faut refaire tout, euh, tout l'effectif, euh, <laughs> on, on en a pour, pour la mmh. nuit. Oui, oui, non, mais moi je, je compte sur tout le monde. Moi je, mon travail c'est d'observer, de regarder les entraînements, comment ça se passe. Et euh, jusqu'à présent, il me semble que... Tous les entraîneurs ne se privent pas de, de, de bons joueurs. Hein Donc, euh, si les joueurs sont en forme, sont présents, je ne vois pas pourquoi je ne les ferais pas jouer. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des attentes sur des joueurs qui, voilà, ça tarde à venir. Et puis, euh, je pense que tout le monde a eu un temps de jeu. Euh, alors, euh, c'est vrai que sur les internautes, euh, souvent, je suis interpellé par rapport à ça. Il y en a qui préfèrent un tel, d'autres préfèrent un tel. Il y a, il y a, il y a des préférences, automatiquement. Euh, D'ailleurs, les gens ne sont, sont souvent pas d'accord entre eux. Donc euh, moi, je suis là pour, pour regarder, étudier et euh, après faire des choix. Euh, C'est les choix, les choix du moment, les choix des de, 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 de meilleurs gars qui sont, qui sont en forme. On va se repencher sur le dernier match, forcément. Cette défaite, une nouvelle fois un peu frustrante pour Dijon, c'était face à l'Olympique de Marseille. Euh, samedi après-midi, hein, à cause du ah ouais. brouillard. Bon, le brouillard était quand même présent. Ouais. Euh, grosse frustration, une fois de plus. Ce but euh, dans les cinq dernières minutes. Je crois qu'on ouais. a compté. Vous en êtes à neuf points de perdu dans les cinq dernières ouais. minutes. Depuis le début de ce championnat de Ligue 1, avec ces 9 points, vous seriez 10e. Bon, même avec la moitié, on va dire, ouais. vous seriez déjà un peu mieux. Il euh, y, a, y a une grosse frustration là-dessus, surtout, j'imagine. Oui, il y a une frustration parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, on pourrait avoir 4-5 points sans, sans trop forcer, entre guillemets, de plus. Et ça nous mettrait dans une, une position bien, bien plus favorable. Maintenant, ces points-là, euh, bon, on les a perdus parce que il, je pense qu'on manque à un moment donné de rigueur, de vice, un petit peu, de, euh, de malice et d'expérience. Ça, ça c'est un fait, hein, puisque ça se répète. Euh, c'est ce qui nous manque. On est, on est une, une équipe, j'allais dire, sympa, euh, fair-play. Euh, à un moment donné, il faut aussi faire de la compétition. Et euh, la compétition, c'est euh, de vouloir absolument gagner. Donc, euh, que ça nous arrive une fois, euh, qu'on prenne un but à la 95e. Voilà, maintenant, quand ça arrive trois fois, c'est un peu plus compliqué pour nous. Ouais, ouais. Benjamin, c'est les points perdus de la, des, des promus, quoi, de la découverte de cette Ligue 1. Oui, je pense qu'il y a une question, comme le disait Olivier Devis. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que sans, sans vraiment vouloir accabler aucun joueur, puisque c'est des garçons qui, pour la plupart, découvrent la Ligue 1. Il euh, y a certains joueurs dans d'autres clubs qui seraient faits découper au moment où ils s'approchent de la surface de réparation. Il mmh. y a la faute, il euh, mmh. y a l'art et la manière de faire, hein, toujours dans, le, dans la limite de ce qui est possible. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, on, on sent qu'il y a un petit manque de vis en fin de match. Peut-être un peu de respect. A, aussi, voilà, c'est cette ouais. forme de. Les garçons veulent respecter. Mmh. Et ça, bien sûr, c'est euh, de l'expérience. Euh, mmh. Certains joueurs euh, ne, ne laissent pas passer un gars qui va arriver à 35, 30, euh, 35, 30 mètres. Euh, mais ça, malheureusement, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mmh. Il faut que les garçons apprennent, il faut que les garçons travaillent. Et je pense justement faut pas que, que c'est... Je... Oui, mais <laughs> à contrario, je pense que ces, ces différents scénarios ouais. euh, permettent aux garçons d'apprendre aussi peut-être plus vite. Mmh. On a vu qu'ils avaient tous la tête dans le seau après le match de Marseille. On peut le comprendre. mais… J'ose imaginer que c'est quelque chose qui va peut-être servir de déclic aussi. Mmh. Olivier, beaucoup de questions. C'est un petit peu comme ça tous les mercredis à propos des blessures ouais. de Marvin, Martin mmh. et de Florent Balmont. Comment mmh. vont-ils Est-ce qu'ils vont revenir Est-ce que Balmont peut partir Je, je, je ah. fais une compilation. Non, 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 non. Je pense que Florent Balmont, il est, il est chez nous, il est, il est bien avec nous. Euh, son grand malheur, c'est de ne pas participer, euh, je veux dire, euh, au match. C'était oui, 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 oui. contre Nantes, hein. ouais. euh, contre Saint-Étienne. Saint-Étienne, son... il est sorti blessure. à la mi-temps à Saint-Étienne, donc c'est une vilaine blessure à mollet, C'est la première fois qu'il mm. euh, qu qu doit gérer ce genre de, de blessure. C'est un garçon qui est très peu blessé, euh, donc il a lui aussi une frustration euh, de pas être là. Mais sinon, euh, il a repris l'entraînement, il va réintégrer le groupe euh, dès, dès le mois de janvier. Et euh, a priori, il n'y aura pas de souci. En ce qui concerne Marvin, il a fait une rechute, donc vous l'avez vu contre contre Nancy, mais euh, la blessure est déjà déjà guérie aussi. C'est pas c'est pas, pas son adducteur, c'était vraiment sur sur l'ischio, c'était autre chose, beaucoup, beaucoup moins importante la blessure. Donc euh, il a déjà repris avec le groupe. Je pense que lui aussi pour pour janvier euh, il devrait être devrait être prêt. Euh, ces deux garçons effectivement, si on arrive à à les avoir régulièrement, vont nous amener cette expérience qui nous manque un peu. Ouais, le manque de flanc il balmont, il est un peu criant hein, dans le ouais, jeu. Vous le ressentez beaucoup. aussi. Hein. Oui, il nous aide beaucoup parce qu'à l'intérieur du jeu, à l'intérieur de l'équipe, euh, il, il a un rôle important aussi euh, de, de patron et puis de leader. Des questions sur Internet, n'hésitez pas. On est en direct avec le coach du DFCO. Euh, saisissez votre chance. <laughs> il y a Christana qui dit que le DFCO n'a pas à rougir de ses résultats. Ben c'est gentil. <laughs> non, mais c'est vrai qu'on a, on a, on, on fait, on fait de bonnes choses. Il nous manque, il nous manquerait pas, pas grand chose. C'est des histoires de détails, enfin, c'est des détails aujourd'hui qui nous font un petit peu défaut. Mais euh, on peut très bien, très vite basculer sur, sur, sur un côté beaucoup plus positif euh, dans les matchs, Mais c'est ces détails qu'aujourd'hui. Parfois, les jeunes joueurs ne font, font pas attention. Ils sont, ils sont vachement importants sur le niveau. Est-ce qu'il y a un problème avec l'arbitrage Jean-Marie nous demande. Est-ce que les arbitres n'aiment pas Dijon Je n'ai pas ressenti spécialement là-dessus. C'est vrai il bon, y, y a des erreurs d'arbitrage. Il n'y a bon, pas une forme de bizutage quand on arrive en Ligue 1 comme ça Est-ce qu'on n'est pas un peu pas plus pas. sévère avec ces équipes-là Bon, c'est sûr que quand on peut vous faire le, dire du mal, hein. non, 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 mais quand c'est le PSG, euh, c'est sûr que mmh. voilà, peut-être euh, ils se connaissent un peu plus, mmh. etc. Et voilà, il y a peut-être une, une relation qui s'instaure. Là où on était vraiment en colère, euh, tout le club, c'était à Saint-Etienne. Effectivement, on a vraiment ressenti une injustice euh, là-dessus. Euh, maintenant, des injustices, il euh, y en a le, mmh. de, tous les matchs. Hein. On, va, on a parlé des points. On va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1. Euh, après euh, 17 journées, hein, on est d'accord. <laughs> on va regarder euh, bah, ce que ça donne. Et c'est vrai que ça baisse ces dernières semaines pour Dijon. On va d'abord regarder la première moitié du classement avec Nice, toujours leader, un peu surprise hein, de ce championnat, avec 40 points devant Monaco, Paris, Lyon. Euh, on on voit que Marseille est remonté à la 9e place. Et puis, dans la deuxième partie euh, du championnat, euh, du classement, on voit que Lille est remontée hein, à la 11e place et puis que Dijon est désormais 17e. Alors, quand et Nantes, derrière, ont un match en retard euh, Si quand gagnait, euh, Dijon pourrait perdre encore une place. Euh, ce classement, est-ce qui vous inquiète concrètement aujourd'hui non, je pense que le, le classement aujourd'hui, il n'est pas hyper important. Ce qui est important, en fait, ça va être de gagner les matchs. Voilà, c est, c est, donc, euh, moi, ce que, et pour gagner les matchs, euh, il faut que, que l'équipe reste dans, 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 dans cette positivité que, et cette, euh, cette force, que, cette énergie qu'ont qu les garçons, parce qu'il y a vraiment une énergie dans cette équipe-là. Et que derrière, on y ajoute des ingrédients un peu plus euh, sur cette rigueur, cette expérience dont on parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, moi je suis focalisé là-dessus. Après, okay. les, les résultats, vous voyez, oh. ça, va, ça peut aller mmh. très très vite. Alors, Lille était dernier et quand vous gagnez mmh. deux fois d'affilée, ça, ça monte très rapidement. Nice, c'est un match qui vous fait peur, demande Florent Non, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas ce genre de match-là que je crains le plus. Bon, on sait qu'on y va parce qu'on sait que ça va être hyper compliqué. Nice est largement supérieur au DFCO. Maintenant, sur un match, euh, tout peut arriver. On l'a vu contre, contre Monaco, on leur a tenu tête alors que personne les tient. Quoi, voilà. Donc, euh, Et le ça... fait que vous réussissiez mieux, mmh. finalement, euh, face au gros de ce championnat, que face aux concurrents directs pour le maintien, ça veut dire quoi de l'équipe bah, En fait, c'est une question de concentration. Il y a un petit peu de peur aussi quand on va aller à Nice ou quand on va aller à Monaco, on n'a pas envie aussi d'en prendre 3 ou 4 ou 5 comme certaines équipes. Mmh. Donc euh, la concentration, la présence est beaucoup plus importante aussi. Euh, donc, euh, et je pense que sur, sur les, petits, euh, les, enfin, les équipes moindres, euh, cette, cette concentration est moins présente. Est-ce que la relégation en Ligue 2, vous y pensez Est-ce que ça vous fait peur de de Dylan Oula, on a, on a Et large. non, je ne porte pas le noir, on me dit que je porte <laughs> la couleur du deuil du DFCO. On a, on a, on a largement, largement <laughs> le temps de, de penser à, à, à ça. On n'a pas fait la moitié du, du championnat. Euh, aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que personne ne nous a marché dessus, personne ne nous a écrasé. C'est plutôt, plutôt positif. Euh, c'est les, les victoires qui nous manquent parce qu'elles euh, donnent des points en plus. Mais euh, aujourd'hui, euh, on, répond, on répond présent quand même sur de nombreux secteurs. Et euh, je pense qu'il faut simplement soigner ces détails, insisté là-dessus, sur ces petits détails, notamment sur, actuellement sur les fins de match qui vont nous permettre de, de rester en Ligue 1, mais on a largement les moyens d'y arriver. On va revenir sur le match de Marseille. À, à l'issue de ce match, euh, vous êtes interrogé en conférence de presse euh, oui. sur le choix de jeu que vous avez mmh. fait, qui est ambitieux, qui est plutôt tourné mmh. voilà, vers l'attaque et vers mmh. le spectacle, qui, qui fait d'ailleurs plaisir à tout le monde. Euh, Est-ce que vous vous interrogez sur un système qui serait un peu plus prudent, qui vous éviterait de, de prendre autant de buts oui, mais on, a, on a joué sur deux systèmes différents hein. jusqu'à présent, sur, sur un système de jeu assez ambitieux, euh, parce qu'il faut marquer quand même des buts, c'est quand même important, si on veut gagner des matchs, il faut quand même avoir, euh, avoir des attaquants présents euh, dans les 18 mètres adverses. On a joué à, à 5 derrière aussi, on l'a vu, on l'a expérimenté, ça, ça peut marcher, il y a deux systèmes de jeu. Après, c'est surtout dans, dans l'animation et puis les, les joueurs qui vont, qui, qui vont nous amener un plus, notamment les, les remplaçants. Quand ils doivent rentrer, ils doivent avoir cette, nous amener cette force et assez rapidement. Et aujourd'hui, par exemple, ça ça, ça, ça nous manque un petit peu. Maintenant, euh, être plus prudent, je pense qu'il faut d'abord qu'on soit plus rigoureux défensivement. Et quand je dis défensivement, ce n'est pas que les défenseurs. C'est de la part de tout le monde, on l'a vu sur le dernier match, euh, Voilà, des, 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 les, les attaquants, quand ils se replacent, ils doivent faire, faire le, le, le travail d'un défenseur et se mettre dans la peau d'un défenseur et pas vouloir que leur équipe prenne des buts. C'est un peu un dilemme quand même, on n'aimerait pas être à la place du coach parfois, <laughs> parce qu'on a envie de voir cette équipe jouer comme elle le fait, c'est plaisant pour tout le monde, mais en même temps, il ne faut pas garer un bus non plus voilà, devant, devant le, le but de Baptiste René. J'allais être méchant, j'allais dire, je préfère voir jouer le DFCO que Nancy. <laughs> oui. Non, non, mais très clairement, je pense que l'un n'empêche pas l'autre de pas l'autre. mais, mais Nancy DfCO, a gagné hein, contre des gens. Oui, <laughs> c'est bien, bien ça. C'est bien le problème. Je pense, enfin, pour voir jouer donc, le, le DFCO toutes les semaines, je pense qu'il ne manque pas grand-chose, effectivement, et que... Au-delà du choix de schéma, au-delà du choix des individualités, il faut que tous parviennent à se sublimer un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de, des matchs qui durent 85 minutes, il faut qu'ils aient des matchs qui durent tous 95 minutes. Il faut que les garçons soient un petit peu plus prêts à se dire bah, c'est bien, on mène par mmh. exemple à Bordeaux, on arrive à égaliser contre Marseille, mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Je pense que si psychologiquement, ils arrivent à, à pousser l'effort jusqu'au coup de sifflet final, la question ne se posera même plus le DFCO jouera. Il enfin, n'y a pas de raison que le DFCO joue moins bien que ce qu'il joue actuellement, et le DFCO réussira à garder les résultats. Et à mon avis, c'est juste des tout petits détails. Ouais, ça joue euh... pas grand-chose. Beaucoup de questions, Olivier, à propos du public dijonnais. Qu'est-ce que vous en pensez – euh, bah, euh, sur, sur les supporters, je pense qu'il y a des groupes de supporters déjà qui font, qui font du bruit, et ça, ça c'est important pour nous. Alors après, on sait que c'est… Euh, – Vous on les dit... avez entendus samedi ?– Oui, Vous oui. – euh, ouais, ouais. beaucoup les Marseillais ouais. aussi mais... ?– oui, bah, oui, parce qu'ils étaient à côté de nous les Marseillais, ah. donc les euh, Marseillais ça a quand même de la voix, hein. donc euh, on les entendait. Mais euh, je pense que euh, ces supporters aussi qui, euh, qui nous suivent, qui viennent aussi sur des sur déplacements assez lointains, on en a vu à Bordeaux, etc., et nous, chaque fois, bon, on essaie de, de, de les remercier et de, de jouer aussi pour eux c'est important. Après, bon, on sait qu'on n'aura pas le public de, de l'Anse, hein. c'est comme ça, mais c'est bien aussi d'avoir ces, ces personnes qui nous suivent et qui nous supportent. Beaucoup de questions aussi et de à propos des, des, des propos de Bamboula, qu'est-ce que vous en pensez Demande des internautes. Des propos de Bamboula ah, C'est les propos, euh, effectivement, qui ont été euh, ressortis chez, euh, chez nos confrères de oui. Canal+. Euh, cette scène où on voit les, les joueurs sur la pelouse ah. à oui, étudier vrai. le brouillard <laughs> le soir où le match <laughs> a été reporté et on ouais, entend ouais. Dit, ouais. Diane Bamboula dire euh, « Moi, bah, c'est pas grave, euh, le public c'est pas grave. L'important, c'est les caméras. Bon, voilà, c'était, c'était des propos sortis un peu de leur contexte oh, aussi. D'accord, oui. oui. Ouais, comme je suis pas toujours sur, <laughs> sur les réseaux sociaux, un bien, hein. ouais, non, non, je suis pas tout. Oui, non, mais après, vous savez, on, on a mis en garde aussi les, les joueurs sur le, le fait qu'on qu sera beaucoup plus filmé, beaucoup plus suivi, et que même si la caméra n'est pas à côté de vous, elle vous filme quand oui, même et oui. vous enregistre. Après, voilà, c'est des, des jeunes joueurs. On a eu aussi le souci, enfin, entre le, guillemets, le souci euh, avec, le souci hein, avec Louise, qui a une chaud, réaction hein. à chaud. Alors, effectivement, vous sortez, vous êtes un jeune joueur, vous êtes frustré, vous venez mm. de prendre deux buts en cinq minutes alors que vous aviez le match en main, etc. Et on vous met un micro sous, sous le nez. Mm. C'est compliqué. Après, euh, il ne faut pas tout prendre à, à la lettre parce que euh, les joueurs sont conscients qu'il que qu y, qu y a du public. Que, que les gens viennent pour pour nous supporter et qu'on qu a besoin aussi d'avoir un maximum de, de gens autour de nous. En tant que coach, on est plus vigilant justement quand on monte en Ligue 1 et qu'on est confronté à ça. Est-ce qu'on est-ce qu'il y a je sais pas du média training, des, des séances de sensibilisation à ça pour avertir les joueurs. Sensibiliser les joueurs, <laughs> hein, ça c'est sûr. Maintenant, regardez aujourd'hui les, les il y a beaucoup plus de médias, effectivement, qui sont autour de nous. Il y a les réseaux sociaux. Je pense qu'on met en garde, on discute. Maintenant, on est limité. Moi, personnellement, je suis limité là-dessus. Parce qu'en dehors, ils sont chez eux. Même si on met en garde, je pense qu'on a des jeunes joueurs qui manquent un peu d'expérience là-dessus. Une petite dernière pour la route. Elle est peut-être une anecdote. C'est ma forte demande. Si vous peignez toujours, et qu'est-ce que vous peignez en ce moment euh, alors je peins pas beaucoup en ce moment parce que j'ai vraiment pas le temps. Euh, <laughs> j ai, j ai, j ai, je garde les idées que, que j'ai en tête peut-être pour, pour mes vacances quand, quand je vais pouvoir en prendre un petit peu. Mais pour l'instant, je suis vraiment focalisé sur le solo sur le foot et sincèrement, je ne fais, je fais pas grand-chose. Mais quand je fais des choses, je mets des, 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 des couleurs pures et bien claires. Pour... Pas pour le sortir du brouillard. Ouais, ça ne sert pas de défouloir aussi pas une, une défaite frustrante dans les cinq dernières minutes à Bordeaux, ouais, par exemple. Ah ouais. <laughs> non, non après, je, je, je serais capable de tout déchirer donc, sur, sur Bordeaux. Oui oui oui, sur des, des matchs mmh. comme à Bordeaux, oui, c'est vraiment frustrant là-dessus. Je vous propose de regarder les, le calendrier. Les trois prochains rendez-vous euh, en Ligue 1 pour le DFCO. Euh, on a parlé du match à Nice dimanche après-midi, un horaire inhabituel à 15 h euh, chez le leader. Euh, ensuite, ce sera la réception de Toulouse rapidement un hein, mercredi soir, et puis euh, un un déplacement à Montpellier, ça sera alors dans longtemps, c'est le 14 janvier. Entre temps, il y aura un derby en Coupe de France face à Louan. Euh, voilà le programme. Elles ont encore un une petite salle de questions. Pour la route, mmh. Baptiste Allez. René à Marseille, info ou un tox oh Je ne pense pas qu'ils qu qu partent à Marseille, mais euh, le, le football réserve parfois des surprises. <laughs> mais bon, ça m'étonnerait vraiment. Quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont circuler pendant, pendant un mois, un mois et demi là maintenant. Donc, euh, et sincèrement, dans tout ce qui circule, il y a peut-être... Euh Allez, 2-3% de vrai, quoi. – Et puis Baptiste, il a déjà fait le coup hein, de partir et puis ouais, finalement voilà. revenir. – il, il, il est vite revenu, <laughs> donc voilà. Euh, – Dernière question aussi pour, pour conclure là-dessus, mais on sait qu'il y a forcément des sollicitations, on a des joueurs qui se sont mis en évidence, Pierre Lassmelou, Loïs ouais. Diony, au sein du collectif qui a brillé, Fred Samaritano aussi a fait une bonne première moitié de saison. Est-ce qu'on est qu a peur quand on est coach euh, d'aborder ce mercato euh, avec ces joueurs bah, euh, euh, qui euh, risquent de, de se faire Ce n'est pas de la peur, parce qu'en fait on est prévenu, on sait ce qui peut se passer. Sur, sur les mercato, euh, c'est parfois difficile à gérer. Voilà. C'est difficile à gérer parce qu'on nous demande d'un côté de, 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 de monter une équipe, de, de mettre une cohésion en place, etc. Et puis au bout de, de six mois, il y a un mercato qui arrive et qui perturbe, ouais. euh, qui perturbe tout ça. Donc euh, c'est là où c'est compliqué pour, sur le côté, le mmh. côté sportif. Pour garder cette, cette cohésion quand même qui est, qui est importante dans un collectif, notamment sur des équipes comme Dijon, qui n'ont pas de, de grosse individualité. Il faut développer ce collectif-là. Allez pour finir, un prono pour le match de dimanche à Nice, Benjamin. Moi j'ai dit 3-4. 3-4. Donc euh, victoire de Dijon ah bah oui <laughs> Victoire de on, on a failli la voir à quand hein, C'était euh, sans la barre de... de, 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 de une théorie de sur les déplacements des journalistes. Euh, <laughs> à chaque fois, il marque un but de plus. Euh... Oui, il y a des chats noirs au sein de la presse. Euh, non, bah non, au contraire, là, <laughs> là, s'il y a 3-4. Euh... Un petit pronostic, Olivier ah bah moi, je joue toujours pour gagner, donc euh, en fait, 3, euh, on part... Je part pour, euh, ce qui m'ennuie, c'est le 3, paye. quoi. Ouais, voilà. euh, <laughs> voilà, euh, si on, on prend encore 3 buts. Euh, bah écoute, si, si on arrive à gagner un zéro là-bas et qu'on tienne <laughs> vraiment un résultat solide ouais. et qu'on ne prenne pas de but, je serai le plus heureux des hommes. Un zéro, il y en a eu un seul, hein, je crois, contre Lorient. C'était le, euh, le score. Oui, en faveur oui, de Dijon, quoi, en tout cas. Ouais, c'était ouais. short, hein. c'était la fin. Quoi. Ouais. <laughs> merci Olivier, ouais, et plaisir. puis euh, bonne suite hein, pour la saison. On ouais. espère vous revoir ici sur le plateau de DFC au débat. C'est chaque mercredi, c'est ouvert. Merci Benjamin d'être venu euh, à lire Louis. dans le bien public aussi euh, au fil des matchs. Merci Elsa pour cette première, et merci à tous les internautes. On n'a pas pu poser évidemment toutes les questions mais l'essentiel c'est de participer revenez mercredi prochain il y aura peut-être un direct avant le match de toulouse donc on sera peut-être au, 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 au bord de, de la pelouse à Gaston Gérard on vous confirme ça en tout cas merci à tous et à la semaine prochaine salut